Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui en fait j'aimerais vous faire une revue et swatch de deux palettes en fait. La palette Vintage Romance de chez Sleek et la palette Celestial qui est sortie il y a peu de temps. Donc la Vintage Romance est sortie vers le mois d'octobre en fait, si ma mémoire est bonne. Et c'est une palette que j'ai beaucoup adorée comme vous le savez toutes. D'ailleurs j'ai réalisé en fait une vidéo, une palette et trois make-up que je mettrai juste ici. Je pense que vous la connaissez cette vidéo. J'ai jamais eu le temps en fait de faire une vidéo swatch de cette palette contrairement à la tradition de ma chaîne et il faudrait vraiment que je me rattrape par rapport à ça. Elle se présente comme ça. Juste en fait vous la présenter rapidement. Donc ici en fait on a les teintes dorées et principalement en fait sont des dorés très très vintage. Donc je mets les swatchs juste ici. Donc ce sont vraiment de très très beaux dorés, des dorés comme on n'en trouve pas dans les autres palettes Sleek. Il faut un peu penser aux cadres un peu baroques, vous savez les cadres dorés baroques. Voilà, ce sont des dorés comme ça. Et ce que j'aime aussi avec ces dorés, c'est que même s'ils se ressemblent, ils n'ont pas les mêmes sous-tons. Il y en a qui ont des sous-tons un peu plus rouges, il y en a qui ont des sous-tons un peu plus jaunes, il y en a qui ont des sous-tons un peu plus kaki. Donc vraiment, on s'ennuie pas avec cette palette, ok? À ce niveau, il y a beaucoup de bordeaux et là, franchement, c'est l'éclate. Ça, c'est un bordeaux un peu mat, un peu satiné. Ça c'est un bordeaux hyper lumineux, ça c'est un bordeaux mat avec des petites paillettes argentées. Ici c'est une sorte de taupe violacée, ici c'est un taupe avec des paillettes argentées, ici c'est un noir avec des paillettes argentées. Donc voilà. Et cette palette je ne vais pas vous la swatcher parce qu'en fait je vais vous l'offrir en fait au concours juste après. Donc voilà, c'est tout pour la palette Vintage Romance. Maintenant on va passer à la palette Celestial. Le packaging se présente comme ça, c'est vraiment une palette dans le thème galactique en fait. Il parlait en fait de teintes lumineuses un peu comme les étoiles, un peu comme la lune. Il parlait en fait de teintes anthracite, il parlait de des teintes duochrome. Concrètement la palette se présente comme ça. Alors qu'est-ce que je pense de cette palette? Honnêtement, quand je la voyais comme ça de loin, je me disais que ce serait la petite sœur adorée de la palette Bad Girl de chez Sleek. Mais même si c'est vrai qu'elle est un peu complémentaire à la Bad Girl, je dirais quand même qu'elle n'atteint pas le niveau de la Bad Girl. Honnêtement, pas du tout, mais pas du tout quoi. Il y a beaucoup de fards qui me déçoivent. Mais bon, ça reste quand même la qualité Sleek, hein, mais il y a quand même beaucoup de fards avec qui ça ne marche pas quoi. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc je vais d'abord commencer par vous donner les noms. Je trouve que c'est quand même intéressant vu que le thème c'est galactique. Donc du coup je me dis que les noms seront c'est quand même bon de connaître les noms quoi. Donc on va commencer par cette ligne. Ici on a Stargaze. C'est une sorte de mauve en fait. Donc ici on peut filmer quoi. Donc ici on a une sorte de couleur parme en fait, elle est très poudreuse, c'est la couleur Stargaze. Ici on a la couleur Saturn Ring, c'est une sorte de violet très 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 lumineux. Ensuite ici on a la couleur Météorique qui est une sorte de bordeaux. C'est pas... Au niveau de cette ligne, on va commencer par la couleur Solar. C'est une sorte de bordeaux aussi lumineux avec des petites paillettes argentées. Et là, on a la couleur Astral Blue. Et là, ici, c'est un vert encore bizarre là. Un peu dans les mêmes tons que celui-ci en fait. Mais c'est un vert trop bizarre. Mais il peut être joli peut-être au niveau du make-up. Hein. Je ne dis pas, mais c'est vraiment la première fois que je suis confrontée à ce genre de vert. Et lui aussi, il a des petites paillettes argentées. Et là, on a la couleur... Galactique et c'est un argenté vraiment lumineux, pas trop lumineux mais il est quand même lumineux. J'ai connu plus lumineux que ça au niveau de Sleek, par exemple ne serait-ce qu'au niveau de la palette Bad Girl, l'argenté qu'ils ont là-bas, les argentés qu'ils ont sont vraiment super lumineux, mais là c'est vraiment moyen. Et ensuite la couleur Heart Shine qui elle par contre me déçoit beaucoup parce que c'est une couleur bleu foncé comme ça avec des paillettes argentées, mais
Je sais pas, il y a une sorte de film gras qui se compose très vite au niveau du phare. Donc, du coup, les couleurs ne ressortent pas. Et franchement, la pigmentation n'est pas du tout excellente de ce phare. Et ensuite, on a cette couleur, c'est un noir avec des paillettes argentées. Lui, par contre, est bien pigmenté, ça, il n'y a rien à dire. Il est poudreux, hein, il est très poudreux. Mais c'est quand même une très, très, très belle couleur. Et donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire en fait sur ces deux palettes. Alors comme vous pouvez le voir, ces deux palettes sont vraiment très très belles parce qu'en fait elles se complètent. Il y a une pour l'automne, il y a une pour l'hiver et c'est pour ça que justement je vous propose de gagner ces deux palettes. Parce que pour moi, elles sont vraiment des indispensables pour passer cet hiver. Celle-ci pourrait vous faire de beaux smoky bordeaux un peu comme dans mes vidéos. Et avec celle-ci, vous pourrez vous faire vraiment de très très beaux make-up de sortie pour le soir. Avec toutes les couleurs intenses et toutes les couleurs sombres qu'il y a à l'intérieur, il y a vraiment de quoi s'éclater. Donc je vous offre ces deux palettes les filles en concours. Alors c'est un concours qui durera 3 semaines à partir de la publication de cette vidéo. Alors c'est un concours qui est ouvert en fait à l'Union Européenne et au DOM-TOM. Donc les règles sont les suivantes, il faut avoir 18 ans. Je n'ouvre pas ce concours aux moins de 18 ans. Il faut laisser un seul commentaire en dessous de cette vidéo. Pour avoir des chances supplémentaires, likez ma page Facebook. Dans ce cas, vous me mettez en fait un deuxième commentaire avec votre pseudo Facebook en me disant voilà, je te like sur la page Cindelish officielle au pseudo de tel. Et pour celles qui veulent avoir une autre chance supplémentaire, suivez-moi au niveau de Twitter. Je mettais tous les liens en barre d'information. Et donc, vous me laissez en fait un troisième commentaire en me disant voilà, Virginie, je te suis sur Twitter au pseudo de tel. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc c'est à vous de voir si vous voulez augmenter vos chances ou pas. Mais sinon, si vous ne voulez pas augmenter vos chances, ce sera un seul commentaire durant toute la durée du concours. Je vous offre ces produits parce que celle-ci, c'est vraiment une palette dont j'ai un gros coup de cœur. Un coup de cœur énorme. Et celle-ci, je pense vraiment qu'elle a de très très belles choses à faire. C'est aussi une façon de bien commencer l'année, de partager mon bonheur avec vous. C'est pas qu'il y ait des choses particulières qui m'arrivent en ce moment, mais c'est juste que je suis très reconnaissante de l'année 2013 qui a été vraiment géniale. Je fais vraiment tout pour que l'année 2014 commence très bien pour nous toutes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo concours au niveau de Facebook, de Twitter, parce que si vous ne gagnez pas cette palette, peut-être qu'une copine à vous pourra les gagner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous plaira. Je fais de gros bisous des filles. On se fait tard. Ciao.